Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous demander de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo parce que c'est très dur de me retrouver avec le Shadowban. Merci. Concernant ce point, j'ai créé un canal Telegram pour réseauter entre youtubeurs et casser l'invisibilité. Si vous souhaiterez rejoindre ce collectif, vous tapez YouTube-8 contact dans la barre de recherche Telegram. Ensemble, on devrait arriver à quelque chose. Bien. Avant toute chose, je voudrais témoigner de ma tristesse de voir qu'en 2022, il y a encore des peuples européens qui se font la guerre, pendant qu'on nous envahit. Je vous invite à aller voir le commentaire de Arthur Kemp sur son blog qui trouve idiot de s'entretuer. Aujourd'hui, un jour hautement symbolique qui se doit solennel. Le 6 mars 2019, Guillaume Fay nous quittait à l'âge de 69 ans. Donc je me devais de lui rendre un hommage. Et je lance le projet de créer un événement tous les ans à cette date en mémoire de Guillaume Fay. Guillaume Fay, j'ai failli le rencontrer. En 2014, il y a eu les assises de la remigration organisées par le bloc identitaire Riposte Laïque. Et je me suis présenté, et il y avait tellement de monde dans cet événement qu'on n'a pas pu tous rentrer. Et donc, j'ai peut-être raté l'occasion unique de rencontrer Guillaume Fay. C'est comme ça. Dans le cadre de ma chaîne YouTube, j'ai relu le livre L'archivofuturisme et j'en profite pour vous le raconter. Au passage, si on ne le fait pas, bien souvent, c'est les détracteurs qui le font pour dévoyer les choses. Qui est Guillaume Fay? Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et titulaire d'un doctorat en sciences politiques, l'essayiste Guillaume Fay a été l'un des principaux théoriciens de la nouvelle droite française des années 1970-1980. Avant d'évoluer vers la mouvance identitaire, il était journaliste au Figaro Magazine, Paris Match, VSD, Magazine Hebdo, Valeurs Actuelles. Il a été animateur de la radio Skyrock sous un pseudonyme Skyman. Il est l'auteur de 29 livres. Le livre que je vais vous présenter est L'archéofuturisme, technoscience et retour aux valeurs ancestrales, édition L'Encre, 1998, 260 pages. Ce livre est traduit en anglais et en italien. Alors déjà, il faut dire que c'est Guillaume Fay qui a inventé ce mot à partir de archéo et futurisme. La définition qu'on trouve: attitude d'esprit présupposant que le futur va faire appel aux valeurs ancestrales et que les notions de modernisme et traditionnalisme doivent être dialectiquement dépassées. La querelle entre traditionnalistes et modernistes est devenue stérile. Il ne faut être ni l'un ni l'autre, mais archéofuturiste. Il faut en finir avec la pensée molle en ces temps de retour de vrais enjeux. L'opportunité à saisir pour notre courant de pensée, étendu très largement, et qui doit impérativement se rassembler à l'échelle européenne en oubliant querelles de chapelle et petites doctrines. Il s'agit de redevenir archaïque et ancestral, tout en imaginant un futur qui ne soit plus le prolongement du présent. Contre le modernisme, le futurisme. Contre le passéisme, l'archaïsme. Guillaume Fay énumère les causes qui l'ont poussé à quitter le GRECE, groupement de recherche et d'études de la civilisation européenne, qui était la tête de proue de la Nouvelle Droite. La Nouvelle Droite, c'est un courant politique national européen apparu en 1969, principalement représenté par Alain de Benoist. Dans une des causes de la perte d'influence de la Nouvelle Droite, il y a l'émergence du Front National, qui en faisant de l'ombre, a dévitalisé le mouvement.
Un point très important sur la ligne de la Nouvelle Droite, auquel Guillaume Fay a participé, ils ont joué avec l'antiracisme, le tiers-mondisme et les positions ultra-radicales pour biaiser, ce qui a perturbé le public. Il ajoute que le tiers-mondisme va avec un islamisme naïf. Le paganisme est perçu comme un mouvement sectaire pour ceux qui ne le comprennent pas. L'anti-christianisme a fait partir un pan du public qu'il a pris comme un bolchevisme gauchiste anticlérical. Les gens ont besoin de sujets actuels, tels que le sport, la science, la conquête spatiale, la démographie ou le QI, plutôt que le commémoratisme et l'intellectualisme. Page 42. La Grande Europe, notre seule chance de survie. Dépasser les nationalismes obtus et construire un ensemble macro-continental de peuples frères, sans homogénéisation des cultures et des langues qui forment le trésor de l'Europe. Une idée radicale, pas extrême, peut faire bouger les choses, comme un électrochoc. Mais pour être viable, il faut qu'elle ne soit pas figée. Notre but sera approximatif. Il appelle ça l'hétérothélie. L'islam occidentalisé en Europe ou hors d'Europe est impossible, car consubstantiellement théocratique et rejette l'idée de laïcité. L'archéofuturisme sur la base de Nietzsche, archéo des racines grecques et futuriste en mouvement, pas passéiste, qui revient toujours à un cycle comparable, pas le même. La technoscience au service des outils de la démocratie, vote électronique pour consulter le peuple par référendum. Concernant l'éducation, il faut en finir avec la scolarisation obligatoire jusqu'à 16 ans, voire pour imposer les bases aux très jeunes plutôt qu'un système éducatif en échec. Le modèle spartiate. Seuls les plus doués feront des études. Pensez ensemble la technoscience et la communauté immémorielle de la société traditionnelle. Jamais l'un sans l'autre. Concernant la technoscience qui déshumanise le travail manuel, il faudra une mentalité archaïque pour désacraliser l'humain, donc la fin de l'humanisme. Le natalisme européen est vu comme du racisme par les bien-pensants. Être soi-même est raciste. Le mariage est un projet pour sa lignée. L'amour est un héritage chrétien d'adolescent. Les mariages réussis sont un calcul. Guillaume Fay démonte le complotisme. Les peuples sont responsables de leur destin. Et là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Deux principes archaïques, la sélection et la discipline. Un homme politique doit construire une civilisation à partir d'un peuple comme un pharaon était l'architecte de l'Égypte. Archéo-futuriste. Par quoi devrions-nous remplacer le progressisme? Guillaume Fay désigne l'Européen appartenant à la civilisation du Nord et l'Afro-Maghrébin appartenant à la civilisation du Sud. L'Européen a un penchant pour la technoscience, les arts, la conquête spatiale, la littérature, etc. Les autres n'ont pas ce goût pour le sophistiqué. Le progressisme, c'est l'égalité pour tous en lissant les surfaces. Laissons à certains peuples le droit de ne pas vouloir s'élever au niveau des autres. Il ajoute que la technoscience n'est pas progressiste. C'est un concept dévoyé par l'universalisme égalitaire. Si on laisse les civilisations renouer avec leurs ambitions naturelles, l'ordre reviendra tout seul. Non, la technoscience nietzschéenne ne convient pas à toute l'humanité. L'Europe est un continent de diversité ethnique depuis toujours. Une immigration de masse casse la chaîne de continuité historique. La différence entre un Allemand et un Grec existe de toute évidence, mais elle est considérablement moins importante que celle qui nous sépare des blocs ethniques venus des autres continents. La mondialisation a déjà eu lieu au XVIe et au XXe siècle. Là, c'est la globalisation qui nous guette, avec la disparition des Européens. Guillaume Fay est contre la germanophobie. Nous sommes tous Européens face à la colonisation. Il n'y a que les Européens qui sont envahis. Les Africains ou les Mexicains n'envahissent pas l'Asie. Dans nos milieux, l'idée de faire autre chose avec la France est assez perturbante. La France ne disparaîtra pas. Elle se décentralisera comme à l'époque de la Gaule. Le jacobinisme centralisateur est une idée de la Révolution française. Celte, germain, hélène, slave, scandinave, latin, ibère, ou plutôt nous, leurs descendants, nous devons désormais nous penser comme un même peuple
héritiers d'une même civilisation. À la fin du livre, il y a un scénario archéo-futuriste, une chronique dans une société où on parle des dieux païens lors de trajets dans des engins ultra rapides. C'est vraiment étonnant et c'est presque magique. En conclusion, l'archéo-futurisme, c'est la volonté de puissance appliquée. Tout le long du livre, il y a des références à Nietzsche. Le projet de la Grande Europe répond à une citation de Nietzsche. Il n'est de politique que pour ceux qui voient grand, très grand. Tous les influenceurs de droite vous en parlent, Julien Rojdi, Thaïs d'Escuffon, Daniel Conversano et même Boris Le Lay. J'en appelle à votre bon sens, franchement. Quand vous tirez le bilan du camp national, au sens large depuis des décennies, on en est toujours au même point. Quand on fait le bilan et qu'il est mauvais, il faut un changement de stratégie radical. C'est tellement évident. Si vous avez bien compris le concept archéofuturisme, ce n'est pas une science exacte. Donc l'Euro-Sibérie n'est pas obligatoirement la Russie actuelle plus l'Europe actuelle, mais l'enfant des deux. Je sais que ce n'est pas évident avec les événements actuels. Mais au moment où Guillaume Faye a écrit ce livre, il était pro-russe, pour la Grande Europe, qui serait née après le chaos. Là encore, dans le concept, c'est approximatif. Une autre chose, j'imagine qu'un jour le mot archéofuturiste pourrait envahir la sphère médiatique comme le grand remplacement l'a fait. Les spécialistes seraient en PLS, tenteraient d'invisibiliser, de diaboliser ou d'interdire ce mot. Un camarade m'a parlé d'un petit geste simple. Vous achetez le livre. Une fois que vous l'avez lu, vous notez dans la page de présentation votre nom, la date et un mot pour celui à qui vous allez l'offrir. Et comme ça, vous passerez le témoin. Une dernière chose, si vous avez des livres, des PDF, des vidéos, des audios de Guillaume Faye, faites-les-moi parvenir pour faire un archivage complet. Les pertes sont définitives quand on n'anticipe pas. Le site internet guillaumefaye.fr est incomplet, il y a des vidéos qui ont sauté, c'est dommage. Je passe un bonjour aux braves, à l'ECP, la team Conversano, les Ardoisiens, Nomos TV, les Téméraires, la section Atlante, le LPE et puis tous les autres. Écoutez nos artistes de droite, Cro-Blanc, Romain Guérin, Christophe Bézédache, Fantôme Déconnecté, Hector de France, les Coroners, et je vous laisse avec un super morceau de Teuze. Vous n'êtes pas seul, on pense à toi Guillaume.